Oh, maybe your question was do you have preferences for Filipinos? Do you remember the 21st time of September? And I'm panchakopan. Hey yo, this is Leah with an H. C'est Leah avec un H. Long time no see, long time no talk, long time no Q&A video. Pourquoi je crie comme ça? Welcome to this FAQ number 2 special back to school edition. Back to life. Back to reality. Avant de faire des vidéos de food avec la famille, des collabs aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés cet été, je voulais tout d'abord faire un Q&A, a little chica chica time update video with you. Kind of overwhelming summer with personal work stuff. So it's time to answer the questions. Okay, I wanted to show you this. J'en dirais, j'ai pas de neck. I'm like Ed neck. I like the bill. Do you like the bill? Je voulais vous montrer d'abord ce hoodie qui est unique et exclusif. C'est une collaboration de Tank Frère avec Paris 13 Lab. Donc, félicitations. Moi, j'ai pris la couleur pandan, mais il y a aussi des t-shirts. C'est parti, genre comme des petits pains de lune. Et aussi, du coup, bonne fête des lunes à tous nos amis d'Asie qui fêtent la fête des lunes. Il y a beaucoup de choses là qui se passent dans ma tête. Just to say, it's a Q&A in French, Tagalog, so Tag French, French log, English. But there will be like subtitles here. I hope you will make the effort to read and watch the whole video, of course. Don't forget to leave a like, comment, and subscribe to my videos. Let's go! I don't see you dating. Any preferences? Bang! Machismo, ça talaga. Eh, ça change pas, hein? Toujours des commères dans cette communauté-là. You don't see me dating, but does that mean that I don't date? Il date, il date, nous datons, vous datez, il date. If you want to know, I'm the type of girl who is very, 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 very private about personal love life. Ah ouais, non mais vraiment, je n'expose pas du tout tant que c'est pas officiel et tout ça. Genre, j'aime pas, il y a, tu vois, les mauvais regards. Déjà que moi j'ai du mal à gérer toute seule, alors si je dois commencer à exposer à tout le monde, c'est chaud. But this summer, this past few months, I made an effort in my personal life to meet and date a little so that I know who I like, who I don't like. Vous entendez toujours, ouais, ça va toujours arriver quand c'est pas prévu. Mais c'est un peu ça, mais d'un autre côté, il faut aussi bah, que toi tu sois prête, que tu sois prêt et que tu puisses aussi bah, réagir. Et il faut practice, you know? C'est comme pour toute discipline, l'école, le travail, un sport, practice makes perfect. So you have to go there to, you know, to improve your game. And know more about yourself. Any preferences? So do you mean ethnicities? Bah, franchement, non. I realized that I clicked more with half people like me. I guess it's because of our multicultural background. I don't know, they're cute. Mais je suis pas fermée. Par contre, I can't with blonde people. Je sais pas pourquoi. Voilà! Oh, maybe your question was, do I have preferences for Filipinos? I like Filipinos. Pero dapat ano? Maybe like taller than me? Sorry! It's not only the physical, it's about the chemistry, it's about the connection, right? And then the effort you put, and the personality, and the hygiene, you know? Talking outside the physical, donc au-delà du physique, je suis attirée aussi par quelqu'un qui a de l'ambition, qui est passionné. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être l'art, ça peut être la danse, le théâtre. Tant que cette personne, elle est passionnée et ambitieuse dans ce domaine-là, c'est... ça m'attire, je suis là, c'est pas un... t'as mal, là. You need to fuel your love with passion and it just brings out the best
in ourselves. Next question is your hair naturally curly? My hair, oui. Bah oui, là je laisse mes cheveux boucler de plus en plus. I'm learning to, you know, love my natural and be proud of my natural features. J'apprends petit à petit à vraiment assumer mes boucles. But when I was younger, I had lots of struggle with my hair because around me, my cousins in the Philippines have straight hair, and my mom, who has straight hair, wanted me to be like them, like her. She would make a hair appointment, do hair rebond, but this just killed my hair. And the worst was I had bangs. J'avais une frange au collège, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, ma frange, elle était bouclée. It was frizzy. It was horrible. So my mom gave me an iron, donc a straightener, hair straightener. J'avais un lisseur et je faisais que lisser ma frange et ça me les brûlait. C'était horrible. Je savais pas du tout m'en occuper. Et donc après, en grandissant, j'ai compris que on peut pas forcer la nature, hein. Bon, maman, j'ai pas les cheveux lisses comme mes cousines, d'accord. Il faut l'accepter. J'ai les cheveux bouclés, nanana. Donc il faut juste que je trouve les bons produits pour bien les maintenir. So be proud of your curly baby hair. I know lots of Filipinos also have curly hair, and I think it's beautiful. It has volume. There's even like a lot of artistas who are getting their hair curly and wavy and voluminous. And nagpapa-perm rin mga Pilipinos just to look like K-pop Korean pop stars. So just be proud of what your mama or papa gave you, okay? Next question is, where did you grow up? In Paris? So madaming pong tao dyan, nagtataka kung lumaki po ako sa Philippines. Kasi sa Beraw po, magaling po ako at si Papa mag-Tagalog. At mukha po kaming foreigner. So, actually, Papa is foreigner kasi 100% siya Algerian. Pero ako po hindi po foreigner, ha? So, I was born and raised in Paris, in France. So now I guess you wonder, how did I learn how to speak Tagalog? I'm gonna invite you to watch this video. Are there a lot of Filipinos in Paris? Yes! There are a lot of Filipinos in Paris and I grew up with them. That's how it helped me learn Tagalog. En fait, ma mère, qui est philippine, quand elle arrive en France, elle était avec des amis. Elle a toujours été proche de la communauté des Centraides. Bien sûr, quand elle m'a eu, elle va pas couper les ponts. Elle m'a vraiment intégrée dans la communauté philippine. Her Filipino friends, childhood Filipino friends. I used to go to Filipino events. I used to travel back and forth in Manila. Every Christmas, I, little by little, learn Tagalog. Bahay, kubo, kahit, munti, nananana, voilà. Atari, sari. Voilà, ce genre de chansons d'enfants, je les apprenais grâce à mes cousins et ça m'a aidé à parler philippin, quoi. Best French dish. French fries? Yes. French fries is not actually a French dish. It's a Belgian dish. Are you going to do a meet and greet in Paris? This is the first time someone asked me that. I didn't know you guys wanted to do a meet and greet. Why not? I would love to meet you guys. If we're like, I don't know, 15, 20 people, it could be fun. We can have like a Filipino-French picnic with lumpia, pancit, baguette, fromage, wine. It could be a fun video meet and greet. Now I'm gonna talk about mental health, because it's a important topic and it's also something I went through, I think, this summer. And I think you will understand why I kind of slower down the YouTube videos. So first, as I said, there's a lot of Filipinos in Paris, but people don't know. And it's kind of frustrating when you see like Filipinos in California, in the US, or like sa London or Dubai. They're very active, very present. There are even Jollibees there. Say hello, there are also Filipinos in Paris. Back in 2019, by organizing the first Filipino food festival in Paris, and it went like this.
veux parler de mental health, c'est lié à ça, c'est lié à YouTube, c'est lié aussi aux réseaux sociaux. Sum it up, pour résumer, gérer tout ça, le festival en tant que bénévole, la pression, la responsabilité que ça a, ça m'a beaucoup affectée, ça m'a aspiré mon esprit, mon âme, mon énergie, c'était super crevant. Et je suis pas la seule à avoir organisé ça, ce festival. On était un gros groupe d'une dizaine de personnes avec le HQ. Donc on était beaucoup à s'être donné dans cette organisation. Et je pense que ça, c'était beaucoup, quoi. Je dormais vraiment peu. J'étais très stressée. J'avais eu des breakdowns. Je passais pas trop de temps avec ma famille. Le seul moment pour moi, c'était vraiment le soir en sortant. Et donc mon dating life, mon personal life, c'était vraiment limité. Et ça a aussi affecté quelques amitiés. Ça a aussi affecté quelques amourettes. Ça m'a mis beaucoup de stress parce que j'arrivais pas à gérer mon anxiété. Et aussi sur les réseaux, j'arrivais pas à être autant active. I wasn't able to be as active as I wanted because I was exhausted. I was physically and mentally exhausted by the work, the festival, and then all those human interactions and relationships to handle, because as an adult, it's very different. You have other priorities. Je sais pas comment dire, mais tu vois, on arrive à un âge où il y a un moment, tu peux pas tout faire, tu peux pas dire oui à tout. Et moi, j'ai tendance à dire oui à tout et finalement, j'arrive pas à tout gérer. Vraiment, ça va trop vite sur Internet, donc c'est assez... Ça te submerge, tu te dis putain mais ils sont en train de faire tout ça d'un coup, comment ils font, moi j'ai juste envie de rien faire. After this festival, which really went great, it was a huge success, even though there are some little details to improve, it was still a success. I was exhausted, so I went on a vacation, a mini break this mid-September, but it was the best mini vacation to relax. Et donc là, pour finir ce FAQ, on va aborder le troisième sujet qui est le voyage. Did you ever go to Algeria? Will you do a vlog? Moi, je suis déjà allée en Algérie une fois dans ma vie. Je pense que j'avais 10 ans. J'étais allée avec ma famille. On avait visité notre famille à Tlemcen. Et c'était vraiment cool, j'ai gardé un très bon souvenir, malgré qu'il y ait des différences culturelles, mais il y a beaucoup de points communs. Oula, putain, j'ai eu peur. Oh, putain, je suis toute seule à la maison, du coup, ça m'a fait peur. Et par contre, j'aimerais bien découvrir les autres parties de l'Algérie parce que je sais que c'est un pays très riche. Donc, dès que la situation le permettra, j'espère pouvoir y aller et du coup, faire un vlog. Qu'est-ce que tu as retenu donc de la Grèce? So, I went to Greece with my bestie, John, aka Katitit. And a lot of people were asking, is that your boyfriend, Joa Moba? You look like pals, but are you boyfriend? Well, just look at him. He's gay, okay? On s'est fait ces vacances-là vraiment pour se détendre parce que lui aussi, il a beaucoup travaillé cet été. Donc on avait besoin vraiment de vacances, juste repos, genre dodo, bronzage, voilà. Caramel, golden. Skin, you know, morena color. Yay! Donc, on est parti à Kalamata. C'est une ville au sud de la Grèce. C'est une station balnéaire qui est connue, en fait, pour ses olives. Du coup, ils ont mis de l'huile d'olive partout. Et on est allé là-bas en hors saison. Donc, les billets, ils étaient pas chers. C'était 105 euros aller-retour. Et ce que j'ai retenu là-bas, hormis les olives, c'était pas cher, la nourriture. On a trouvé des souvlaki ou là les gyros à 2,60€. On avait plein de petits vieux retraités qui étaient dans l'avion avec nous. On s'est dit, c'est bon, on est dans le bon mood. On va faire comme eux. Eat, sleep, swim. Eat, sleep, swim. Eat, sleep, swim. Tan, voilà. Two last questions. What are the countries you have visited? Ah bah alors là, just to give you a little bit of context and background, my parents have a travel agency specialized in the Philippines, and my mom used to organize a lot of trips and groups excursions with Filipinos. So she would
bring me everywhere with her in Europe, Spain, Italy, Crete, Autriche, London, and abroad, so in the Philippines, Palawan, El Nido, Bohol, Cebu. And then I went to Australia, I also went to Canada, I went to Japan with my family, I lived in China, Suzhou, for 6 months, and also I've been to Dubai. It was a really good surprise for me and my parents, and we would love to go back there and visit the mosque in Abu Dhabi. Because of the pandemic, we weren't able to go there. And there's someone asking me, have you been to the US? If so, where in the US? Well, yes, I traveled in the US, in California. On a fait San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, tout ça, voilà, en bus. We did also New York, Philadelphia, Washington, et la Floride. And also, I lived in the US for 6 months in North Carolina, Raleigh. I've also been to New Orleans. I did my first solo trip there. If I ever go back, I would love to do again all those destinations, but either alone or with friends. It kind of make me nostalgic because I want to travel again abroad, but it's kind of difficult with the pandemic and all. Going back in the Philippines, I'm not sure yet for this year. I hope, but situation is so hard and difficult. And if I ever go back in the Philippines soon, I really want to enjoy to the max and not be stranded and, you know, put my family at risk too. So for now, let's keep in touch here virtually. Let's travel virtually together. And I hope to make you laugh and make you smile with my next videos coming up. So abangan, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour montrer la force et l'amour. Donc voilà, merci, salamat, shukran et gros bisous. Mouah! Ingat!